Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Odnil. Je vous propose de découvrir un nouveau jeu dans la suite de notre Alerte Rouge que je me suis refait tout cet été, dont vous avez pu trouver les épisodes dispo sur la chaîne. Et bien, je vous propose donc de découvrir Tempest Rising, qui se veut du coup un jeu reprenant justement les fameux STR des années 90, comme notre petite alerte rouge. Et donc, eh bien, la démo est disponible depuis fin août. Donc, je vous propose de découvrir cela ensemble. Il propose donc normalement trois factions, mais là, il devrait y avoir la démo est dispo pour le début des campagnes. Donc, normalement, on a deux factions disponibles dans cette campagne. Donc, on va voir si on arrive à faire sur une vidéo les deux, ou si on en fait juste une seule. Et puis, si je vous refais une autre vidéo. On découvrira ça. Donc nous avons voilà les deux factions, donc Global Defense Forces et Tempest Dynasty. Donc dans le résumé Steam, ils annoncent une troisième, donc je sais pas où est-ce qu'elle apparaît, si elle apparaîtra plus tard, on verra. Toc. Donc là pour l'instant il est juste en anglais, mais il devrait être en français bientôt à sa sortie en tout cas, qui est indiquée prochainement, donc on ne sait pas encore quand est-ce que ce sera. Allez, on va partir donc avec le GDF, voir ce que ça donne tout de suite. I'm Colonel Fisher. You'll be reporting directly to me. We could certainly use someone with your track record. Intelligence has a situation brewing in, in Iceland. We have routine Tempest harvesting all over the grid, but some of the lights are going out, starting from the east coast. If you ask me, I reckon it looks deliberate. I want you to do a sweep of the area and flush out any Dynasty forces you might find. Remind them that the GDF isn't to be trifled with. I'll link your control interface to the Battle Network. If you've got any questions, now's the time to voice them. Alors, ok, on a une petite cinématique et on a même directement de quoi parler. Donc, élément information de dynastie. Allez, hein. De toute façon, on va faire nos further questions. Stand by while I patch you through, and good luck. I put my neck on the block to get you this position. Don't let me down. Let's see what you can do, Commander. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, doctrine. Commissariat Mori, bon là c'est verrouillé, ok, donc on aura pouvoir en tout cas choisir des choses avant de partir sur le terrain. Ici on retrouve le petit ok, bon bah on va partir en déploy. On retrouve vraiment une carte un peu à l'alerte rouge, hein. En 3D, mais. Tempest harvesting operations have been disrupted in this area. Dynasty interference is suspected. Retake and hold the position. Await the arrival of a mobile construction vehicle, then build a base and recommence harvesting. Destroy any dynasty forces and search for signs of a nearby dynasty base. Ok, bon, de toute façon, on détruit tout le monde. Ok, on a une petite vidéo un peu comme l'alerte rouge. On retrouve apparemment la raffinerie, les collecteurs de minerais et une sorte de tibérium.
Alors hop, les contrôles sont à l'American. Ouais bon, on va peut-être pas bouger ça. On va faire avec les flèches pour la démo. Donc on a la carte en haut à droite, de l'argent, 5 sur 200 en population, donc ça c'est plutôt un peu à la Age of Empire. Ok, c'est plutôt joli, si on retrouve le move, attaque move, ok, stop, garde, patrouille, hold position. Le premier gars est plutôt mal en point, on va le faire partir derrière. Pourquoi les autres ils se couchent et pas les miens? Alors hop. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ah oui, eux ils ont des drones, ok. Alors on va envoyer les drones là-bas. Alors là j'aimerais faire bouger juste les drones. Ok, allez, tirez. Hop. Voilà. Bon, je pense que j'ai déjà perdu mes drones. Hop, ok. Fais gaffe. Au bidon. Donc là, on a le Dynasty Supplies Outpost. Ok. Oulala, 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 oulala. Oulala, j'ai pris très cher. Ah, le mec, il y va direct. On doit pouvoir envoyer le drone attaquer. Sinon, il y a en effet un autre chemin. Bon, là, j'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnel. Je suis pas sûr que je puisse finir la mission avec juste ces deux gars. Quelques petits renforts. Ouh là 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 là. Ah, je pense que c'est de l'anti-aérien. Ok. Ça va dégommer. Ok, un petit peu de reinforcement, ce sera pas mal. Sauf si ça arrive. Alors, donc là j'ai des véhicules, une sentinelle. Light véhicule, ok. Une unité Riot Medic. Elle devrait pouvoir avoir la tourelle ici.
Ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est que c'est un silo? Un power plant. On va dérouiller surtout le power plant. Le silo, ça aurait été pas mal de pouvoir récupérer de l'argent, mais... Et on va continuer à détruire les missiles SAM. Là on a l'avantage, on est en terre. On arrive les gars. Sauf s'il me laisse pas rejouer. Allez, allez. Hop. Se rapproche un petit peu trop, je pense là. Hop. Allez Doc. Secondary objective accomplished. Thanks for the help, Commander. Standing by for orders. Yes. Got it. Combat ready. Ready for contact. Commander, GDF forces collect intel as a resource. Intel is used to authorize limited countermeasures, such as unit abilities and support powers. Est-ce que c'est ce petit bleu là quoi? Attention, ça arrive. Oulala. The Sentinel Scout Car's alternate fire mode exchanges firepower for marking rounds, generating intel when marked targets are destroyed. Coming, command. Alors là, derrière un silo, il y avait des choses à récupérer. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Marking projectile. Ok, swaps to marketing. Maintenant on va y aller un peu plus calmement. Retourner, où est-ce qu'il est le médecin? J'ai perdu mon médecin. Non, voilà. Allez, viens là, toi. Toi, tu m'as bien récupéré ça. Ok, c'est bon. On peut marquer les ennemis. On va regarder. Allez hop. C'est surtout pour mes drones que ça pue du cul à chaque fois. Est-ce qu'on peut attaquer quelque chose d'ici? Donc là il y aura des tanks. On a intérêt de faire gaffe. Qu'est-ce qu'on a là? Du tiberium, je pense. Ok, donc ça en bleu, à mon avis, c'est le tiberium qu'on voit là. Alors, est-ce qu'ils peuvent shooter à cette distance là? Les grenadiers, non? Voilà, ça c'est une bonne attaque de drone. Hop. Hop. Allez, revenez au mercueil.
Je les vois. Allez. On va juste baisser un peu la musique. La musique est à fond. Alors ça donne un peu de rythme, hein, mais... Voilà. Hop. Histoire de voir un peu ce qui se passe aussi. Donc là, c'est des collecteurs de minerais. On va prendre quelques crédits. Voilà, on a détruit ça. Alors je sais pas si quand les hommes passent dans le Tiberium là, est-ce que ça leur fait mal ou pas. Apparemment non. Ok, alors qu'est-ce que c'est ça, un tank? Ok, non, un véhicule de construction. Allez, vas-y, construis-toi là. Ok, donc un power plant. Ok, la zone est grande pour le coup sur les constructions de base. Alerte rouge, c'était un peu limité quand même. Ça, qu'est-ce que c'est, une sentinelle aussi. Alors, hop. Donc là, on va mettre une raffinerie. Plutôt là. Allez. Donc là pour l'instant de toute façon on peut pas construire grand chose d'autre. Et ici c'est qu'il y a pas mal de monde. Qu'est-ce qu'ils ont? Lacing sur mine, ok. Construction complete. Là on a un mec qui place des mines. New construction options. Alors une barracks. Constructing. Ah, j'ai plus qu'un seul mec avec son drone. Hop. Ouf. Ah mais reste là. Hop, tu gardes. On risque de bourriner pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Un silo pour stocker. Ok, de l'infanterie, fight scout, drone opérateur. On va faire un peu de... Comme ça, là, qu'est-ce qu'il nous faut? Un missing tech. On va mettre un satellite. J'espère qu'ils vont pas arriver de l'autre côté, parce que sinon... On va se faire piquer. Ah mais attends, j'ai encore des gars là. Je me dis bien si j'ai pas trop de soldats là. Il y a le docteur, allez, le gars a tout oublié quoi. Hop là, on va construire ça là. Et on va brûler un peu, hein, hop. Allez, on attaque ça. Voilà, avec pas les lance-flammes, ça va être chaud. Ouais, là le score sera pas très très bon. Hein. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Là, faut pas que je fasse n'importe quoi. Et il me laisse pas récupérer mes gars. Allez, on les attaque, on les attaque, on les laisse pas.
Ah, le lance-patate là, le laissez pas vous détruire la tourelle. Hop là. Allez, vas-y, Doc. Alors, on va se faire un petit silo. Qu'est-ce qu'on a donc? Donc la spécialiste Limitrich, ok. Dans l'opérateur. Ça devrait être bon, ça devrait être bon. La cell power. Production 100, consommation 110, ok, donc il faudrait peut-être un peu plus d'énergie. Ça n'a pas l'air de trop diminuer quoi que ce soit. Donc là, le zone opérateur est plutôt bon contre les unités volantées des véhicules. Là, on est plutôt sur de l'anti-infanterie. Est-ce qu'on peut lui mettre un, voilà, un point de ralliement? Colonel Strike, ok. Unit ready. Unit ready. Allez, hop, on va essayer de passer. Allez, le tank là. Ah, le doc suffit pas à les soigner tout seul. Ah, le doc il se met devant. Heureusement qu'il a l'air d'être sacrément blindé. Là, j'avais pas vu le petit là qui est resté. Hop là. Hop là. Voilà pour cette première petite mission. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo là, parce qu'on a déjà vu quand même plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez du coup voir la deuxième faction, voir ce que ça donne. Alors bon, je suis un peu mitigé, je sais pas trop. Après aller à Arte Rouge, je sais pas. Franchement, j'hésite, je sais pas si je l'achèterai ou pas. À voir. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez testé la démo, si ça vous donne envie de la tester, et puis vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu et de cette vidéo et de cette découverte. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Battle Command uplink initializing. Please stand by. The Dynasty have amassed an enormous army right under our noses. And as of 10 minutes ago, while the GDF Council was debating whether to even respond, the Dynasty have launched attacks across our western border. They've been planning this for God knows how long. Harvesting operation started. SCICOM, code red. Issue an immediate retreat order to all GDF units in 10 miles. Get our troops out of there. Weapons free. These tanks fire, fire back. Get our drone fleet in the air and get me a satellite pointed at this. I want to know what the hell we're dealing with.
reinforcements on their way to you. Pull that base apart. We've discovered a strange property. On a large scale, the event could be catastrophic. Get me one of these missiles, Commander.